Salut. Bon, voici pourquoi Roblox est le pire jeu de tous les temps. Bon, en vrai, c'est pas le jeu, mais c'est la communauté. Par exemple, il y a quelques jeux qui sont vraiment pas faits pour quelques personnes, comme ce jeu par exemple, qui est juste ici. Ce jeu est le diable en personne. En gros, le jeu consiste à surmonter des épreuves en faisant un travail d'équipe. Et bon, déjà un travail d'équipe avec des enfants de 9 ans, Bon, non, en vrai, c'est pas parce qu'ils ont 9 ans qu'ils sont probablement nuls. Il y a des enfants de 9 ans qui savent mieux jouer que moi. Mais bon, là où je veux en venir, c'est que dans ce jeu en particulier, il y a des choses qui sont vraiment énervantes. Bon, je vais vous donner un exemple. Bon, ok, là on est sur le jeu, coucou. Bon, on va choisir ce monde, enfin ce level. Bon, là comme vous voyez, il y a des gens qui appuient sur le bouton pour que les autres passent. Bah, en gros, ah putain, en gros tu peux juste, pendant que l'autre passe, tu peux te décaler juste comme ça, et en gros, bah, il va tomber. Juste comme ça. Bon, c'est vrai que comme ça, ça paraît pas vraiment démoniaque, mais imagine t'as passé une heure sur le jeu, et là tu meurs à cause d'un gamin qui veut s'amuser. Bon, à part les jeux où il y a des gens qui font chier, il y a des jeux qui sont rageants. Bon, en vrai, la plupart des jeux Roblox sont rageants, si on peut pas dire tous, mais il y a des jeux en particulier qui sont un peu plus rageants que les autres. Et c'est pour ça qu'on va les tester. Bon, le premier jeu qu'on va tester, ce sera celui-là. Course de blocs de logo. Bon, ce jeu est rempli de bugs et aussi de gens chiants. J'y ai joué la dernière fois et franchement... Ouais, franchement, c'est... très énervant. Ok, Bon, déjà, les pubs, c'est vraiment chiant. Mais bref, bon... la chanson qui fait chier. Bon, ok, là, on est sur le jeu. Malgré que la qualité est vraiment... dégueulasse. Ce jeu est vraiment énervant. En gros, faut atterrir sur l'emoji et partir le plus loin sans tomber. Et quand le compte à rebours va s'éteindre, bah... ok, souriant. L'emoji souriant, c'est... ok. Bon, il y a lui et il y a... non, 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 non. Putain. Wow. Désolé, je suis malade. Bon, l'emoji drôle, pas besoin vu que je suis premier. Ah là, je suis premier. Bon, bah, apparemment, je suis trop bien pour ce jeu. Mais bon, pour l'instant... bon, pour l'instant, ce jeu n'est pas vraiment énervant. Et c'est bien sûr quand je filme que je suis premier. Je perdais littéralement tout le temps. Et c'est là que le jeu a choisi de me mettre vainqueur. Alors, soit il y a des espions, soit j'ai juste pas de chance. Enfin, si, j'ai bonne chance vu que j'ai gagné, mais... bref, il y a plusieurs autres choses qui me dérangent sur Roblox, comme les jeux qui te font croire que c'est un truc incroyable alors qu'en réalité c'est de la... bon bref, t'as compris. Bon, je vais vous donner un exemple. C'est très dur à prononcer, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ouah frère. J'ai littéralement passé une demi-heure à parler sans savoir que le micro était branché à mon casque, qui a une qualité audio horrible. Donc j'ai littéralement passé une demi-heure à expliquer. Et voilà quoi, c'est nul. Bon, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'avais dit. Quand tu tapes ça, je vais pas le prononcer parce que je sais pas comment il se prononce. Plusieurs jeux vont apparaître disant « Regardez, de l'argent gratuit, venez jouer, ouah !» Alors que, vous l'aurez deviné, mais c'est complètement de la dope. Bon, à part quelques jeux qui sont destinés à faire des dons, mais le reste... c'est de l'arnaque. Il y a même des jeux qui utilisent l'image de MrBeast pour avoir la confiance des gens, ce qui est complètement illégal parce que c'est de la diffamation. Il y a même des parcours qui soi-disant disent que si tu vas jusqu'à la fin, tu gagnes des... je vais toujours pas les dire parce que je sais pas comment les prononcer. Bon, une fois j'y ai cru et j'ai fait tout le parcours, et bien évidemment, j'ai rien eu. Bon bref, Roblox a une réputation nulle à chier. Plusieurs personnes font des vidéos destinées à insulter ce jeu, ce qui est vraiment dommage parce que l'idée de base était incroyable, mais c'est juste les gens qui ont réussi à le gâcher. Comme d'habitude quoi. Malgré que le jeu soit vraiment énervant. Il y a plusieurs jeux qui sont vraiment intéressants, comme SCP par exemple. Mais il y a aussi ce genre de jeu. Je sais pas ce qu'il fout sur Roblox, mais dégagez-le. Ce genre de jeu est la cause de pourquoi Roblox a été gâché. Et pourquoi ? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est probablement... la prochaine fois qu'une voiture va passer, je vais exploser. Ce genre de jeu, c'est la plupart du temps des jeux très mal foutus, où il y a eu zéro effort pour les développer. Bref, des jeux qui servent à littéralement rien. Bon, vous savez quoi? On va jouer à un de ces jeux, et on va noter de 1 à 10. Rien que non, on sait que ça va être nul à chier. Et bien sûr qu'il y a une voiture qui passe dès que je parle. Bon, à ce qu'on voit les avis, il y a 57% de j'aime, ce qui est la moyenne, et c'est nul. Donc là, il y a la moitié des gens qui détestent ce jeu. Bon, bref, on va tester le jeu. Bon, déjà, on est dans une pièce rose. Il y a lui qui est en train de danser, et il y a lui avec une épée qui est en train de voler. Il y a un chat, et il vient de sauter sur le chat. Bon, déjà, c'est quoi ça, VIP? Bon, ok. Pendant que j'étais en train de filmer, il y a une musique qui s'est lancée de je ne sais pas où, et qui a caché littéralement tout ce que je disais. J'en ai marre, je sais pas pourquoi. Là, je suis vraiment
Je suis énervé. Mais bref, pour vous résumer ce qui s'est passé, c'était juste un monde avec plein de zombies nuls à chier. On dirait ils ont pas dormi pendant je sais pas combien de temps. Il y avait plein de choses qui n'avaient rien à faire ici. Le jeu, c'était du contenu trompeur. Il y a jamais eu de Skibidi je sais pas quoi. Bref, c'était juste nul à chier. Bon, même s'il y a plusieurs jeux énervants sur Roblox, il y a quand même des jeux qui sont bons. Et non, ce n'est pas une raison de détester Roblox. Ça reste quand même l'un des jeux les plus installés du monde. Et il y a des millions de jeux. Enfin, je sais pas s'il y a des millions. Mais il y a plusieurs jeux qui peuvent peut-être te convenir. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, mets un like et abonne-toi. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus, ciao.